dans lequel on apprenait aux élèves que les athlètes devaient être grands, blonds, aux yeux bleus et forts à n'importe quel prix. Ça représente déjà un fort endoctrinement. On peut comparer d'ailleurs au fait que pour les Jeux Olympiques de Pékin, on distribuait des manuels de connaissances olympiques aux élèves également dans les écoles. Par ailleurs, à Berlin toujours, pendant la cérémonie d'ouverture, on a eu droit au salut nazi et à l'hymne nazi, mais également au défilement des jeunesses hitlériennes avant les délégations des autres pays.